Cette Mozambicaine craint pour sa vie et celle de sa fille. Son mari a été tué par l'armée, sa maison et ses récoltes détruites. Comme des centaines d'autres réfugiés, Malita Elias a dû marcher pendant 5 jours, sous le soleil, pour rejoindre ce camp à Kapisé, un village au sud du Malawi. Je ne rentrerai jamais chez moi, il n'y a pas la paix là-bas. Pendant que je vous parle, beaucoup de gens fuient mon pays pour venir dans ce camp. Donc tant que la paix ne sera pas revenue, je ne suis pas prête à rentrer. Depuis juin, les forces gouvernementales et la RENAMO, le principal parti d'opposition, se sont affrontées à plusieurs reprises dans le centre du Mozambique. La guerre civile s'est terminée en 1992, mais la RENAMO n'a pas accepté les résultats des élections de 2014. Et son leader veut prendre le pouvoir dans certaines provinces. En représailles, l'armée est accusée d'avoir brûlé des maisons et d'avoir commis des exactions. La situation est terrible chez nous. Quand ils ne vous tuent pas, ils violent votre femme en votre présence. C'est tragique. Les nouveaux réfugiés sont enregistrés comme demandeurs d'asile. Mais ce n'est pas la fin de leur calvaire. Le camp manque d'eau et de nourriture et survit uniquement grâce aux ONG. Le gouvernement malawite assure de ne pas avoir de ressources disponibles pour les aider et souhaite que leur pays d'origine trouve une solution. Nous devons sans doute dialoguer plus avec le gouvernement mozambicain pour voir ce qu'ils font pour mettre fin à ce problème. La police mozambicaine nie les accusations des réfugiés et pourtant leur nombre continue d'augmenter. Leur seul espoir réside dans le dialogue entre le gouvernement et les anciens rebelles pour que la paix revienne dans leur région.